Hop là! Rebonjour tout le monde, je reprends mon antenne et on va partir dans le simulateur de chasse. Je remercie Nashevman qui a eu la gentillesse adorable de m'offrir ce simulateur. Il voulait absolument me le faire découvrir et je dois reconnaître que je suis bluffé. Bluffé par le réalisme. C'est une première que sur mon antenne que je vous fasse ce simulateur de chasse. Je vais essayer une petite demi-heure, le temps de paramétrer tout le schmilblick. C'est, vous allez voir, c'est bluffant de réalisme. Je pense que ma carte graphique va bien chauffer. Alors, passer. Non, je vais pas jouer en ligne. Enfin, si j'y arrive. Ah, c'est moi ou... Ah. Voilà. Continuez. Oui, je vais reprendre là où j'en étais. Je vais reprendre où j'en étais, qui était donc le début. Voilà, mission disponible, premier pas. Je sais même plus comment je valide le truc. Oh my dieu! Voilà, je suis rentré d'une énorme réserve. Non mais c'est dingue. De bout en bout, il y a 10 km de marche à faire. C'est juste démentiel. On pourrait se passer le temps à se promener là, c'est. Alors prélever un animal, ok. On va essayer. Merde. Ah! Voilà, je veux revenir au simulateur. J'ai des armes, je crois. Il y a des objets, je sais même pas à quoi ils servent. Il faudra que j'apprenne. Oh. Ah, ça zoome bien. Hein. Ça zoome bien. Bon, on va essayer d'aller en face au niveau du. De la. Vigie. Oh, il y a tellement d'objets. Je suis un monstre. On va essayer. Voilà, faut que j'arrête mon souffle, sinon je vais pas y arriver. Ça, c'est dur. Ah. Je crois qu'il y a moyen de retirer son souffle, mais je sais plus comment on fait. Ah, c'est comme ça. Merde, je crois que j'ai loupé. Je l'ai loupé. Ah non, toucher un animal? Oh, quelle horreur. J'ai dû lui toucher le haut du corps ou de la tête. Coordonnées par GPS, ok. Ah oui. Aucun organe touché à l'instant. Je crois qu'il s'est barré par là-bas. On voit légèrement les traces d'interaction. Au galop, bah oui, tu m'étonnes. En plus, c'est un genou, c'est dégueulasse. Saignement très faible. Oh, je suis un chat-dick.
Il va se vider de son sang pendant 10 heures. Tellement je fais un vacarme d'enfer puisque je marche dans les buissons. Il est parti au galop. Saignement très faible. Alors, à ma première demi-heure d'essai en antenne, là, quand je faisais les réglages, parfois les déjections, ils donnent les infos comme quoi c'est du récent ou si c'est du vieux datant de la veille. C'est extraordinaire ce réalisme. C'est époustouflant. Je crois savoir d'ailleurs que je joue avec les graphismes au minimum et c'est déjà bluffant de réalisme. J'essaie de pas faire fumer ma carte graphique, hein, c'est pas le but. Je suis pas là pour ça. Oh bonne mère. Il est parti par là-bas. Ah! Je me demande si c'est pas sa dépouille que je vois. C'est quoi que je vois là? Je veux retrouver la paire de jumelles. C'est quoi ça? Ah non, je crois que c'est sa dépouille, mais pas du tout. Très fraîche. Voilà, ils le disent au niveau de déjection. Ah, tu parles, il a eu tellement la frousse qu'il s'est vidé, il s'est fait dessus. Il y a de quoi. C'est une main très faible. Oh, il y a un chemin par ici. Incroyable. Ah, il est parti au trot. Déjà, là, il s'est calmé. Il n'était plus au galop. Ça continue. Ouais, toujours du saignement. Waouh. Ah, il y a des... Il y a d'autres animaux. Pardon, j'ai une démangeaison au niveau de la peau, au niveau du cou. Je me gratouille. Ah, il est reparti au galop. Chevreuil. Attends, je course le même là, ou... Bonjour le baron. Ah merde! Merci de me le rappeler, j'ai oublié de changer de scène. Oh le con. Ce jeu est très beau, vous avez rien vu. Merci de me l'avoir notifié. Comme d'hab, à chaque fois j'oublie de changer de plan de caméra. Heureusement que vous êtes là. Merci le baron. Je suis étourdi. Donc je poursuis un chevreuil. Ah ah. Waouh, ce changement de végétation. Bah je vais bien, merci. Je termine ma semaine mieux qu'elle n'avait commencé. C'est surtout que j'ai passé la semaine barbouillée, quasiment grippée. Donc j'étais pas frais et contre-performant cette semaine, malheureusement. Mais là, enfin, j'ai repris du poil de la bête, bah pas plus tard qu'hier. Donc du coup, j'ai envie de dire, ça vous arrange, vous me retrouvez frais, avané sur mon direct pour le week-end. Mais donc je vais mieux, voilà, pour répondre à la question, merci, j'espère que tu vas bien le baron. Wouah, trop bien. C'est une vraie route avec une balisée et tout. Putain, je suis sûr que je peux me faire écraser par une bagnole. Wouah, trace de sang sur la route. Ah mince, t'as récupéré, c'est principal, je vais bien, merci. Ouais, bah c'est cool, le baron. Oui, oh, tu sais, c'est les mots de l'hiver. Oh, ce panneau de signalisation routière. Comment ça, 80? C'est énorme, 80. Oh la vache, si c'est la vitesse autorisée, vous êtes sérieux? 80 km/h ici? C'est vachement dangereux, j'aurais limité à 50. Enfin bon, bref, c'est pas moi qui fais la voirie. Bon, il y a toujours le saignement de l'animal. Je continue à courser ma proie. Qu'est-ce que je vois? Attends, là, il y a énormément de trucs là-bas. C'est quoi? Merde.
L'animal détecte ma présence par le bruit. Oh oh. Évitez de vous déplacer dans la végétation afin de maintenir le silence. La jauge de bruit est en bas à droite. Ah bon? Elle est où la jauge de bruit? Ah, c'est ça la jauge de bruit! Wouah! Non, mais t'as même pas le droit de péter dans ton slip! C'est incroyable, tu te fais détecter! C'est quoi ce. Pourquoi c'est en surbrillance l'herbe? Il a pissé? Zone de pâture découverte. Be sure to stay concealed. They have some of the best eyesight among the reserve animals. Their good hearing and smell doesn't make things easier either. Eh bien, j'ai trouvé un coin bouffe d'un animal, un daim. Ah mon dieu! Je sais même pas quelle est l'heure dans le simulateur. Oh, il me dit à manger entre 6h et 10h du mat. Et je sais même pas quelle heure il est, Marie-Thérèse. Il fait jour, après, il faudra tout me dire. Je suis un bleu, je sais même pas me servir de mon équipement, je sais même plus lire une montre. Déjection ancienne, ah merde. On peut le dire. Mais je poursuivais des traces de sang, moi. J'avais tiré sur un pauvre chevreuil. Je sais pas si j'ai touché en haut du dos ou au haut de la tête. Enfin, bref, je fais un épouvantable carnage. Je sais même pas abattre le gibier. Enfin, une catastrophe. Ah, des pas. Des pas de daim. Attends, là, il y a ça. Ah ouais, mais je suis un bougon d'enfer en fait quand je marche. Ça c'est fou ça. Oh, wow. Non mais le simulateur il déconne zéro quoi. Ah, il est parti au galop le chevreuil. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi j'ai perdu mes traces de sang visiblement. Ah non, bah les blas. Je les ai retrouvés. Comment ça, 13 mètres? Il y a un truc devant moi, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi j'ai une borne là, moi? Enfin, une borne, un point géographique à atteindre. Ah. Je me fais mener par le bout du nez par le simulateur de chasse. Hein. Voilà, ok, je suis au point zéro là, qui se baisse. Ah, j'ai entendu un oiseau sur la droite. J'espère que vous avez une bonne réception du son. C'est vachement immersif. Et ce simulateur en VR, ça doit être une tuerie. À l'immersion, ça doit être waouh. Ça doit être enivrant et complètement hypnotique. Ah ouais, j'ai encore ma victime qui pisse le sang tout doucement, mais qui pisse le sang. Non mais je me relève là, j'avance pas assez vite. L'autre, de toute façon, il est parti au galop, alors. Ah, 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 il y a quelque chose là-bas. Oh! C'est moi ou. Attendez, il y a l'air d'avoir une dépouille là-bas ou un gros truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air massif. Vous allez voir que je vais tomber sur une bête qui va me déboîter. Ah oui, Nashevman, bonjour. Bah, j'apprends. C'est un renard, on dirait. Attends, c'est quoi? Qui c'est que ça? Ah, mais c'est ma victime!
C'est le malheureux que j'ai fait saigner. Valider le trophée. Bah, j'ai fait un carnage. Oh le pauvre. Ma première victime dans le simulateur. Chevreuil. Réserve de chasse Dichblenden. Catégorie 3. Une femelle. Oh, c'est pas bien. Normalement, on n'abat jamais les femelles, que les mâles. 14 kilos. Brune. Distance, machin. Difficulté dérisoire. Aucun trophée. Aucun. Je suis nul. Brigitte Bardot vient de porter plainte. Oh merde. Ouais, mais là, on peut. Ouais, mais par principe, je crois savoir qu'on n'abat que les mâles dans la chasse. Jamais les femelles. Histoire d'essayer de préserver quand même les espèces. Bat la tête molle. Ok, j'ai tout à apprendre. Mais je l'ai abattu à 56 mètres. D'accord. Oh mon Dieu, pauvre victime. Non, non, je vais pas empailler ça. J'ai honte, j'ai honte. Inspecter. I. Inspectons. On peut zoomer à mort. Oh mon Dieu. Oh, la pauvre bête. Pauvre chevreuil. C'est superbement modélisé. Oh là là, même le détail des pattes. C'est beau. N'hésite pas à regarder les rayons. Les rayons X. Ah oui! Oh, quelle horreur! On voit la trajectoire du meurtre. Oh là là, j'ai tiré comme une guiche. Oh là 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 là. Oh mon Dieu! Oh la torture! En fait, la balle. Alors. Je lui ai frôlé l'oreille et le crâne. Et en fait, la balle a dû se loger dans son popotin. Vu la trajectoire. Oh là, je suis un monstre. En plus, je l'ai loupé. J'ai honte. Cachez-moi tout ça. Comment ça, valider le trophée? Oui, bah accepté. J'accepte mon crime. Non, il est mort par saignement. Oui, non, mais j'ai merdé. Non, mais j'ai merdé honteusement. J'ai tout merdé. Voilà. Prélèvement non mis de côté. Le prélèvement n'est pas empaillé ni mis de côté. Ce dernier prélèvement mis de côté peut être sauvegardé plus tard dans la gestion des prélèvements. Ok. Ok. Encore que non, je vais laisser les messages parce que je sais pas à quelle fréquence je jouerai et c'est tellement technique. Prélever un animal blessé. There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. Ouais, tu m'étonnes qu'on apprend à viser dans les organes If you vitaux want to assez get your rapidement. bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. Attends, il m'a mis plein de trucs. Mon Dieu, le simulateur de chasse est en train de me donner des. Oh! Attendez. Ah! Il entend un oiseau. Ah, il faut que je me cache. Bonjour Maniki! Comment que ça va? Eh, je t'ai pas vu depuis. J'allais dire, je t'ai pas vu depuis la rentrée. Je t'ai pas vu depuis les fêtes, meilleurs vœux, hein. Bah oui, merci, toi aussi. Santé, bonheur, prospérité. Dans le foyer, dans le ménage. Ah, ça te donne presque envie de lancer le jeu à ton tournage. Non, non, encore merci à toi de me l'avoir offert parce que. Oh, c'est magnifique. C'est quoi ça là-bas? Ah non, je sais pas. Bon, tant pis, attendez, j'avance. Je fais un vacarme d'enfer. Je suis au beau milieu des branches. Aïe, oui. C'est quoi ça? Oh! Red fox Un would actually renard not loup. be too hard to hunt if it weren't for their small size, making them difficult to spot. Ah! They do scare quite easily, though. Putain, il m'a fait peur ce con. Il y a un piaf qui a crié, il m'a fait peur. Ah, t'adores ce jeu? Ah, toi aussi, Maneki? Ah, c'est le cri du renard? Ah bon? Ah bah dis donc. C'est quoi ça? Z, 0 mètre. Un animal dormait chez. Ah! Merde! Oh merde, j'ai fait trop de bruit, l'animal il se carapate. Oh. D'accord, je l'ai réveillé. Ok. Bon, j'ai vraiment tout à apprendre. T'as pis ce carapace loin, l'autre est déjà à 100 mètres. T'as vraiment le machin, toi. Oui, renard, machin. Non, attendez, je vais aller un peu plus loin. Déjà, si je pouvais sortir des branches et éviter de faire un vacarme d'enfer,
J'aimerais retrouver une prairie où je puisse marcher sans me faire détecter. Là, ça a l'air d'être un semblant de... C'est quoi ce bourbier? Burk. Bon, là, je suis un autre bruit de... Hein? Bon. Oh! C'est quoi en contrebas? C'est la rivière? Ah ouais, ça doit être la flotte. Bon. Merde. Voilà, ça c'est déjà c'est un terrain où je fais un petit peu moins de bruit. Enfin, potentiellement, on va dire. Tiens, il y a des traces là-bas. Qu'est-ce que c'est? Oh, il y a des fougères. Ah! Un cerf élaf. Un cerf élaf. Ah bon. Par là-bas. Même avec des graphismes moins, le jeu rend bien. Oui, moi je suis pas là pour faire surchauffer ma bécane, mais oui, c'est superbe. Ah, il a dû descendre boire. Tu devines que c'est un point de ravitaillement pour les animaux, ils viennent boire là. Enfin, non, ah non, c'est pas de l'eau, je crois que c'était de l'eau. Attends, mais c'est quoi cet endroit là? Je comprends plus rien. Ah, si, il y a de l'eau. Oh, d'accord. Waouh. Il y a des crapauds. Il y a des batraciens. C'est là où je vais trouver une vipère d'eau. C'est quoi ça là-haut? Ah, des arbres. Coucou Nayonet, j'aime beaucoup votre coupe de cheveux, monsieur le diffuseur. Quelle classe. Ah oui, m'en parle pas. J'en deviens tout bon aujourd'hui. Ah, cette flaque est très... Hein, très mouvante, on va dire. Boyo boyo le naïonnet. Oh merde. Oh merde. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon écran est devenu tout rouge. Il y a un truc qui s'est mis à galoper. Future... Ah, mes futures victimes. Ah mon dieu. Mais non, mais il y a que des femelles. Non mais arrêtez, je vais pas tirer sur les femelles. Oh. Attends, repérer l'animal. Bah oui, dérisoire. Ah merde, on peut pas voir à distance si c'est mâle ou femelle. Dérisoire. Mais comment ça, je me prends des coups? C'est quoi ce délire? Attends, j'ai pas tout compris. Ouah. Aïe! C'est bizarre. Il devrait pas me courir autour. Cette scène est surréaliste. Attention, top départ! Ouais, mais là, c'est pas du jeu. Non, mais c'est map. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce meurtre sur le bord de l'eau? Mais c'est n'importe quoi, je me suis... Je me suis fait piétiner par les animaux. Non mais c'est n'importe quoi. La façon dont votre coiffe est posée aujourd'hui, c'est la meilleure des meilleures, je reviens pas. Oui, peut-être, je sais pas. Enfin, c'est bien, ça tient chaud. Mais c'est quoi cette mort? Je suis mort comme un caca au bord de l'eau, piétiné par des femelles... Enfin bref. Ah oui, on recommence. C'était n'importe quoi. Et si je partais à l'opposé, c'est peut-être une bonne idée. Pour changer. T'es fait bouffer par un million. Ah oui, alors.
Bon, je présume que le trophée des trophées, c'est de chasser un ours. Ça doit être un truc de fou. Oh, petite pâquerette. C'est beau. Mon Dieu. J'ai entendu un cri. C'était quoi? Un faisan là qui se met à chanter ou quoi? Non, bah je peux avancer un peu plus là. Oh, la végétation est tellement dense que... J'ai l'impression qu'il y a une route là-bas. Attendez, je vais prendre les jumelles. Enfin, si j'y parviens. Il y a tellement de matériel. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pister le cri de l'animal. Merde, j'ai pas le temps. Attendez. C'est une route que je vois là-bas? On dirait un chemin ou quelque chose. Ça a l'air plat, ça a pas l'air naturel. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un chemin par là-bas. Bon, l'animal en question, c'était quoi? Attends, du coup, je vais avancer tout doux, accroupi, mais... Oh mon Dieu! Non mais c'est magnifique, on voit le détail de la végétation alors que je suis accroupi. Je comprends pourquoi le simulateur fait plus de 60 gigas de données. La modélisation, elle est parfaite quoi. Ils ont modélisé le moindre caillou. Ah! C'est quoi? Ah, c'est un renard roux qui piaille comme ça! Attention la peinture. Non. J'ai la prétention de traquer un renard roux. Oh, des boutons d'or. Je dis oui. Ah, flanc de colline. Je le vois où ce renard roux. Il est où? Il est où, il est où, il est où, il est où? Y'a rien là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça me donne envie de le télécharger. Foutu. Bah. J'ai cliqué en dehors de la zone de jeu et du coup, le simulateur est pas content. Pardon. Donc, on retourne à l'inspection. Paire de jumelles. Ouais, je crois que c'est bizarre. Ah, il est par là-bas. Ah, il serait à environ 60 mètres. Ah, j'aurais peut-être en aplomb en passant par ici. Attendez, on va tenter de chasser le renard roux. Oh mon Dieu! On entend ces choses. C'est bien, il fait beau temps.
Oh, cette traque de fou. Et puis ces genres d'endroits, tu te fais trahir, tu sais, tu mets le pied sur une pierre qui se met à bouger et à. Et à sonner là, clic-clac-boum. Oh. Ça sent les pâquerettes. Alors, où est la bête? Où est la bête? Ah oui, je peux changer la sensibilité de ma souris, donc du coup, voilà, j'ai un meilleur mouvement pour la. Ah, c'est pas mal ça. Entre le fusil et le. Alors, pardon, j'ai une défectuosité de ma souris qui vieillit. Et j'ai des boutons qui s'usent. Donc, du coup, j'ai des soubresauts au niveau du zoom. Je sais que c'est très désagréable, faut pas être épileptique. Je suis désolé, je fais de mon mieux. Mais j'ai déjà ma souris qui se fait vieille. C'est quoi ça là-bas? C'est quoi, c'est un caillou? C'est bizarre. Quoi, quoi, quoi? C'est quoi ça? Un cri d'accouplement? Wow! J'avais un renard roux, bordeloum! Il m'a repéré, cet abruti! Oh merde! J'ai perdu la trace du renard! Il est où cet idiot? Oh! Que vois-je? Oh, c'est encore un petit daim. Il y a un truc là-bas. Ah non, c'est un banc peint en bleu. Ah, c'est une table de camping. Oui, bah j'ai déjà repéré l'animal, mais je vais pas battre le daim à la noix là. J'étais en quête d'un renard, bordeloum! Oh! Qu'est-ce que c'est? Cri d'accouplement. Ah, ça continue. Oh! L'animal, il a des bois! Oh, le bel animal! Attends, je vois quelque chose qui bouge. Hé, t'es quoi toi? D'accord. Un daim dérisoire. Mais merde, j'ai perdu la trace du renard. Mais non, je vais pas tirer. Attends. Ouh, le mâle, il m'intéresse. Donc, il y a les femelles qui suivent le mouvement. Attends, voir que j'essaie de suivre le mouvement. Ah, mais je me déplace pas assez vite. Mais calme-toi, le piaf là qui chante. Aïe, merde. Ah, j'ai glissé, chef. Attends, je peux m'avancer un peu. Pas déconner, là, ils vont pas m'entendre. Coucou. Oh, putain, m'a fait peur. Bonjour, Twinsen. Je vais les prendre enfin à revers, non. Mais je vais les poursuivre en passant par là. Putain, là-bas, j'ai un gros truc que j'ai pas encore fait de structure en bois. Pas dispo du week-end pour regarder ou jouer en multi. Je cartonne dans mon sens. Non, mais c'est bien, bravo, Tunsen. Bon courage à toi dans tes œuvres. L'essentiel, j'ai envie de dire, c'est que t'es la santé. Non, mais ils vont se calmer, les animaux, oui. L'essentiel, c'est que tu aies la santé et que voilà, comme c'est la morte saison, tout le monde est un peu grippé, ou presque. Moi-même, là, je suis en train de me rétablir parce que j'étais pas frais en semaine. Mais c'est bien, c'est cool, bravo, Twinsen. C'est cool. Ravi pour toi. Oh merde, j'ai ciblé le cerf là avec ses bois.
Enfin, le cervidé avec ses bouets. Non, j'avais une cible acquise merveilleuse. Où est-elle? Ça, c'est des femelles qu'on suit, ça, non? Ah non! C'est le mâle. Il s'est barré vers là-bas, visiblement. Attends, je suis obligé de manier les fesses parce que ils se déplacent plus vite que moi. Ils sont allés manger, ils font quoi? Alors, il est parti au trot. Ça, c'est quoi? Ah, il y a les buissons. Tais-toi, toi. Ah non, mais il est terrible, le renard. Il mériterait que je me le fasse, le renard. Après les promenades en vraie forêt, le sage, le chasseur. Oui, c'est vrai! C'est vrai, c'est une alternative, j'avoue! C'est exact. Je vous fais la forêt en vrai, la forêt en faux. Mais à chaque fois, c'est très beau. Pa, 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 pa. Non, mais là, honteusement, je me suis fait biffer par des biches au bord de l'eau, c'est n'importe quoi. Non, je veux mon premier trophée avec des jolis bois. Faut trouver une table pour manger. Eh ben, j'en ai repéré une. Il y a pas 5 minutes, avec la paire de jumelles, il y avait une table de camping dans le simulateur. Très fraîche. Je veux abattre mon premier daim mâle. Mes premiers bois en trophée. Je veux. Oh là là! Oh, le réalisme des fougères, quoi. Énorme. C'est énorme! Comment ça, ils ont tourné par là? Non. Attends. Non, 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 c'est bien par là-bas, oui, qu'il est parti. Ah, j'ai quelque chose là-bas. Ah, ils ont traversé la route. Ils ont traversé la route. Et je me demande si ça vaut pas le coup d'attendre au bord de la route. Par moment. Si la ligne de mire est dégagée. Et... difficile de louper un animal quand il passe sur le bitume. Putain, mais lui, il me balance à chaque fois, quoi. Il est où le petit con de renard de mes deux, là? Il est où? Brrr. Oh, il y a trop de végétation, je peux pas la repérer. T'es beau, regardez-moi ça, c'est magnifique. Magnifique, on s'y croirait. Papa, les daims ont traversé la route. Et ben, je pense que c'est comme mon scénario de tout à l'heure avec les biches. Je pense que Monsieur Daim est parti boire un coup en contrebas dans la rivière. Ou du moins au point d'eau, parce que je suis même pas certain que ce soit une rivière. C'est l'endroit où les biches m'ont patatée. Ah, ça chante de partout. Hein? Non, j'ai loupé le cerf ou c'en est un autre? Putain, mais je vais devenir fou. Bon, là, c'est la route, hein. J'arrête de marcher accroupi. Ah, mais merde. Ah, si je marche là, je vais faire un boucan d'enfer. Bah oui, forcément. Oui, bah oui, il m'entend. Oui, j'ai un renard roux qui se barre. Oui, il peut. Ah, j'ai déjà fait un maïs à pied. C'est un succès Steam. Ouais, il y a tellement de végétation. Oh! Point d'eau découvert. Sont-ils régulièrement pour manger, boire, dormir, observer les traces et repérer les animaux dans blablabla.
Oui. Merde, putain, j'ai un arbre qui me sépare de ma cible. Oh oui, le baudin. Merde, mais je suis pas dans le bon axe. Putain, vous allez voir que je vais tirer la balle dans l'arbre. Oh là 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 là. Vous allez voir que je vais tirer dans le chêne et on va avoir l'arbre le plus érotique que la nature puisse nous offrir. Puisqu'il aura un trou de balle près du gland. Je n'invente rien, c'est la formule. Ah oh mon dieu! Merde, j'ai perdu de vue la bête. Non! Non, mais la bête était là. Attends, je vois les femelles, mais... Ah, le mâle est là-bas. Putain, je suis fou. Je la tente. Non, 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 le flingue à gros calibre avec la lunette, là. Longue distance, longue distance, longue distance. Longue distance. Merde! J'ai du mal à le voir. Je peux pas zoomer plus? Je l'ai tenté. Je l'ai tenté. Je sais pas si je l'ai touché au niveau de la tête. Oh là là, ça galope. Merde, j'ai retiré la lunette. Je pense que j'ai visé entre les bois, mais pas sûr. Ouais, je suive la trace. Attends, je vais sur le lieu du crime, si je puis dire. Tant pis, je suis un vacarme d'enfer, mais... Au moins, j'ai pas perdu... Voilà. Dis-moi que j'ai touché, qu'il y a du sang sur place. J'ai pas l'impression. Je l'ai pas touché. Oh, je suis deg. Non, je suis dégoûté. Si je l'ai pas touché... Sérieux, je l'ai loupé? J'étais persuadé que je visais entre les bois. Non, il n'y a pas une giclée de sang sur place. Alors, tourne un peu, il devrait y avoir une tache de sang. Bah, j'espère, oui. Merde, t'as bien vu, j'ai bien visé. Galop. Ah non, alors là, si le jeu me refuse une blessure sur l'animal, je suis vraiment dégoûté. Ah, ah, ah. Ah, trace de sang. Merci. Merci, merci, merci. Au pire, affiche ta carte et regarde si tu as le centre d'une zone rouge. Le centre d'une zone rouge. Ouais, c'est tellement concentré que j'arrive même pas à voir. Mais on va dire oui. Ah, j'ai l'impression que la nuit se couche. Attends, ils sont partis. À mon avis, ils ont galopé loin hein, parce que. Oui, non, il est pas mort. Oui, il est pas mort. Mais non, non, je l'ai saigné. Je l'ai saigné. Il s'est barré par là-bas, lui. Les femelles sont allées en amont et le mâle, lui, allait en... Quoi, il est resté là? Galop, mais galop vers où? Déjection très fraîche, ouais. Attends. Il nous a pas fait un coup à la cheval à la Skyrim, il a pas pu... Oula, je me demande si je perds pas les traces, là. Attendez, voilà. Ah, merde, oum, le récif est trop prononcé. Attendez, 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 attendez. Getting some exercise, are we? Just remember to take a breather before shooting anything. Oui, elle me dit que je cours trop et que je... C'est quoi ça? Il buvait. Il buvait, d'accord. Mais... Ouais, mais c'est pas celui que je traque avec du sang. Il n'est pas au-dessus celui qui saignait? Ça c'est quoi? Des pas de daim. Ah, j'aimerais retrouver du sang, mais au-dessus de la...
au-dessus de la formation rocheuse. Attendez. Ah, merdoum! Mais non, mais il n'est pas passé par là, le daim. C'est pas possible. Il a contourné le bordel. Oh la vache! Je reconnais l'exigence, le côté très pointilleux du simulateur de chasse. Remarquable. C'est quoi ça? Non, c'est des traces de... Ouais, trop. C'est des traces de pas, mais c'est pas celui que je traque avec les saignements. Merde. Merde, merde, merde. Non, je pense que j'ai perdu celui qui avait le sang. Là, on est d'accord, il n'y a pas de... Mais non, c'est celui qui buvait, ça. C'est celui qui buvait. Je suis revenu à la même position. Bon, j'ai arrêté de courir comme un dératé. Écoutez, je vais suivre ces traces-là. On va voir. On va voir. Donc là, il était au trot, donc je peux toujours m'avancer en faisant du boucan, parce que tant qu'il s'est parmi à marcher doucement, ça veut dire qu'il était en stress et il est allé voir ailleurs. Il était toujours au trot par là-bas. Bonjour Cocosi, comment que ça va? Ouais, ça va bien. Oh, moi, je vais bien, merci. Ah, merde, je suis en train de perdre les traces. Elles étaient là-bas. Les traces étaient là-bas. Mais c'est vrai que c'est vachement prenant, hein, le principe de la chasse. Waouh. Oh, my God. Ah, pas. Attention. Il doit plus être très loin. Là, il s'est calmé. Putain, je fais un vacarme d'enfer. Voilà, départ. Merde. Ah, je commence à avoir une vue en aplomb. Attends. Il est passé par là. Attendez, je commence à m'accroupir parce que il faut pas que l'animal me repère à nouveau. Il se sait traqué. Ah, il est parti au trot, salopard. Merde, merde, merde. Il a réaccéléré. Il cherchait son chemin, je pense. Instinctivement, il a voulu repérer les... Oh, merde. Oh, bonne mère. Oh, bonne mère. Il est où, ce con? Ah merde, il fuit, il m'a vu. Il m'a vu. Ah! Au moins j'ai le temps de le tracer vers l'arbre là-bas. Passé par là, je t'ai vu, poil. Ah, je vais avoir mon premier trophée avec des bois dessus, moi je vous le dis. Je suis motivé. J'ai toujours aussi beau. Non, mais je suis accroupi dans les branches, en train de me mouvoir lentement. Le jeu me dit que j'ai mis du son de 1 sur 3. Comme quoi la discrétion absolue est quasi impossible. Mais ça a le mérite d'être réaliste. Même le froissement des feuilles mortes, ils entendent. C'est terrible. Mmh.
Alors, il était quelque part par là. Là-bas, j'avais des traces. Ouais. J'avais des traces. Alors, quelle direction? Merde. Merde. Ah, un cri d'accouplement du faisan de Colchide. Colchide dans les prés. Ah, c'est quoi les traces? Au galop. Ok. Il a continué de se barrer par là-bas. Le problème, c'est que c'est vachement plein de branches. Alors... Oh merde. Attends, je suis obligé de me lever là. Enfin, je veux pas courir non plus, mais. Ah, il y a des traces là-bas. Qu'est-ce que j'entends? J'entends un oiseau qui chante. Ah, l'animal a pondu une praline. Ah, il y a un truc qui m'a repéré. J'ai entendu un caquement ou un truc. Quoi? Ah bon? C'est un faisan qui est en train de s'accoupler? Alors, soit j'aurai le faisan, soit j'aurai mon daim. Mais il faut que je ressorte de cette expérience avec quelque chose. Ah, mon Dieu! Oh lagado. Oh lagado. Donc on prenait de la boue. Parce qu'on dit souvent gadou en patois lorrain. Pour désigner la boue. Des pas. Ah bon? Ah ouais. Il est reparti par là-bas, lui. D'accord. Ah oui. Ah bah merde alors. Attends. Ah! Ah, il m'a entendu. Ah, il était si proche que ça? Non. Ah, il fuyait. Non, mais c'est barré. Non, je garde ma piste du. Du dinde de mes deux, là. Oh! Non, sérieux? Faisait des pas. J'ai pas de. Attendez. On va observer s'il y a du mouvement. J'arrive pas à garder le clic. Le premier qui observe le mouvement de l'animal a gagné. Attendez, je vais déjà zoomer en large. Non, il n'y a rien là. Non, c'est les ombres qui dansent. Oh, c'est bluffant de réalisme. Mais complètement. Il y a des moments où je soupçonne l'animal, mais je me rends compte au bout d'une seconde, mon cerveau me dit non, c'est le feuillage qui danse au vent. Ouais, l'autre il a fait des pas, d'accord, mais. Oh merde. Oh, il est où le bestiau? Il y a encore des trucs là-bas au loin. Il est redescendu au bord de l'eau. Mais d'accord, je l'ai blessé. Je l'ai blessé. Ah oh, là, je verrai rien.
L'angle de vue, il est foireux. Ah! Alors attendez, je vais contourner les buissons. Je tourne auprès de l'arbre, je prends sur la gauche. Là, je vois une voie à peu près dégagée. Avec un peu de chance, je ne vais pas faire de bruit, ou très peu. C'est là où je vais me faire déboîter par un sanglier. Oh, c'est beau! Il y a un pont là-bas. Alors, vous allez me prendre pour un idiot. Mais de voir ça, j'ai envie de faire un jeu de rallye automobile. C'est tout ce que ça m'inspire. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Dragonski. Bonjour Dragon Sky, comment que ça va? Tu as raison de ne pas faire de bruit. Je suis en traque d'un animal. Moi, je dis, il est tout proche. C'est quoi ça là-bas? C'est de l'herbe ou... Ah oui, merde, c'est de l'herbe. Il est où là? Oh, il y a des installations humaines là-bas, il y a une cabane de chasse. Oh, ça va me plaire, la cabane de chasse. Salutations, nous avons le plaisir d'accueillir Rio. C'était la voix de Beretta qui fait le doublage français de Schwarzy. Oh, coucou, cousin. Ça n'a rien à voir comme salutation. Mon Dieu, quand c'est Schwarzy, ça fait bizarre. Attends, et là, on entend Schwarzy qui dit plus hasta la vista, mais qui dit hasta la Windows 10. Non! Ah, c'est un lieu de dodo pour les animaux. Quoi? Non, il se moque de moi. Il va pas me dire que le daim est reparti dans l'autre sens. Sérieux? Mais non, je suis en train de rebrousser chemin là, faut que j'arrête mes âneries. Oula, attention, j'ai eu un gel. Excusez-moi. Je sais pas où il y a eu un cri de je sais pas quoi. Merde, trop tard. Mais non, je vois pas de traces de. Attends, je le remets accroupi parce qu'avec les branches, je vais me faire. Kiki que quoi? Ah, c'est un cerf? Non, déconne pas. Là-haut? Où ça? Oh! Oh! Il y a un cerf qui fait dodo là-haut. Oh bonne mère. Oh bonne mère. Oh! Eh, si je fais pas le con, je me le fais. Alors vous savez quoi? Je vais rester accroupi tout du long comme ça. Parce que alors là, j'ai un coup à jouer là. Alors, je sais pas comment on voit la direction du vent. Ah oui, merde, il va peut-être me sentir. Si je lis bien la boussole en bas de l'écran, l'animal va peut-être me sentir à cause de la portée du vent. Non. Eh, c'est... Merde, il y a beaucoup de buissons là où je me rends. Et si c'est ma cible, alors là, oh, j'ai pas le droit de louper ma cible. Alors, il faut prendre le temps de l'approche. Mais alors, si lui, je l'ai, je vais pas le louper. Je vais prendre le gros fusil à moins de 10 mètres de distance et pan. Ça va être un carnage épouvantable. On y croit. Puis on voit que le vent porte, hein. Regardez les feuilles mortes au niveau des arbres. Oh, c'est fou. Non, pas Tchoum, non, faut pas éternuer dans les hautes herbes, non. Déconne pas, cousin, non. Je n'ai pas le droit de louper ma cible. Bah, merde, voilà, je vais appeler Jacques Pradel, j'ai déjà perdu de vue. Attendez, attendez, espoir, espoir, espoir. Je peux faire un magnifique carton. Je veux mon premier trophée avec du bois dessus. Mes premiers jolis bois. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il chante? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu quelque chose. Heureux!
Oui, c'est ça, je suis revenu dans Raft avec un fusil des jumelles, ouais. Il y a un peu de ça. Putain, mais sans déconner, j'ai perdu la localisation de la bête. Je la voyais au loin, puis là, je la vois plus. Ah, ah, ah. Ouais, ouais, repérer 10 animaux. Non, mais c'est une femelle, là, j'ai pas de bois, là, merde. Ah, c'est lui qui a des bois. Ah, ah, c'est lui, ma vraie cible. On y croit. On y croit. Attends, je mémorise, il est là. Il est en train de se bichonner. Hein, on voit ses bois. J'ai pas rêvé. Mais oui qu'on voit ses bois. Regardez-moi. Regardez-moi le bestiau. Il sait pas ce qui va lui arriver. Peut-être à moi non plus. Vous allez voir qu'il va me défoncer parce que je vais le louper à bout portant. Oh merde! Merde, 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 merde. Il y a un chevreuil qui m'a repéré. Merde, 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 merde. Merde, 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 merde. Vite le bon flingue. Vite le bon flingue. On reste zen. Non, la lunette. Mets la lunette. Mets la lunette! Comment je fais pour mettre la lunette? Oh merde, il m'a vu. Oh non! Il m'a vu, bordel. Mais pourquoi j'ai perdu ma lunette, moi? Je l'avais tout à l'heure, je l'ai plus. Ah, la v'là. J'ai retrouvé la touche, trop tard. Merde, merde, merde et merde. Oh, oh, non, ça c'est la femelle. Alors la femelle, je m'en fous un peu. Oh la vache. Keep track of where the wind is blowing. Animals will pick up your scent easily if they're downwind from you. Mais oui, ils m'ont reniflé, je sais. Merdoum. Oh, c'est con. J'aurais eu ma lunette d'équipée. J'aurais pu tenter ma chance. Oh, la vache. Le simulateur, il est vachement réaliste. C'est remarquable. Merde, 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 merde. On voit que je fais mes débuts. Hein. Oh, ils sont partis lentement ou ils sont... C'est quoi que je vois? Non, c'est une femelle qui alerte là. C'est quoi que je vois? Non, ça... Ah, 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 si, ça a des petits bois. Oh, mais j'ai envie de tenter le gros avec les cornes. Ah, avec les cornes, avec les bois. Merde. C'est un petit mâle, il y a des petits bois. Je me trompe? J'ose? Oh. En pleine tête. Ah non, là, je l'ai mis entre les deux yeux. Je lui ai mis entre les deux yeux. Aucun organe touché pour l'instant. Et la bête est partie par là-bas. Ah non, là je l'ai visé en pleine tête. Saignement très faible. Galop, ouais. Quand ça galop vers là-bas? Je l'ai vu partir dans le sens opposé. Vous êtes sûr? Vous êtes sérieux? Ah, c'était le grand mâle que je poursuivais que... Oh mon dieu. Attends. Ok, 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 ok. Si le simulateur me dit que... Oh merde, il y a des traces partout là.
Petit galop. J'ai pas une autre marque de sang. Là-bas, j'ai eu un galop. Oh, un bel oiseau. Bon, évidemment, oui, là, ils sont loin, là, parce que... Oh la vache, comment que c'est dur, j'en reviens pas. Ah, saignement. Donc la bête a dû détaler 150 mètres plus loin, là je peux largement marcher. Oh oh oh, j'ai vu un truc d'étaler au loin ou c'est moi? Il est au trou, il est au trou. Je sais pas, il y a différentes traces. Galop. Ouais, non mais le truc est parti sur la rive opposée. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dragon Sky, tu dis... Il m'a fait flipper au moment où t'as fait paf. J'ai vu un creeper m'exploser. Ah oui, d'accord, oui. Désolé. Je... Un renard roux? Oh la vache. Il y en a des bestioles. Oui, d'accord. Attends, c'est quoi ça? Ah non, c'est leur truc de bouffe. Ça, c'était de l'herbe qui était en surveillance. C'était leur déjeu. Ah, cri d'avertissement. Merci de m'avoir donné ta localisation. C'est reparti pour une nouvelle traque. Alors, faut que je retienne que mon erreur de la lunette, vous voyez, qui disparaît et réapparaît, c'est le bouton central de la souris. La manière dont j'ai configuré. C'est pour ça que je me suis laissé de perturber. Quoi? C'était quoi? Oh la vache! Mais il me voit? Comment il fait? Attends, le machin, il est à 100 mètres. Je suis accroupi, faut rater la déconnade. Alors je sais que l'animal est alerte, mais quand même. Oh, c'est beau. Attends, c'est bizarre là-bas, on dirait presque des terriers, je sais pas quoi. Ça me rend fou, le coup du viseur équipé, déséquipé, ça me rend fou. Alors, attends. Ah oui, il est parti au trou là-bas. Oula, attention, il y a une souche d'arbres, je vais me faire repérer, moi. Ah, my God. Je sais pas pourquoi, mais je sens que dans mes prochaines aventures, je finirai par me faire déboîter par un sanglier. Comme une prémonition, je sens que c'est mon karma ma destinée. Galop carrément. Il s'est vraiment barré. Oh, il y a même des traces là-bas qui me dit. Je pense que c'était une des femelles qui ratissait large et qui suivait à distance. Je présume, hein, je. Le bestiau est parti par là-bas.
Oula. Attends, il me dit qu'il y a plein de traces là-bas. Je me lève un peu parce que. Je peux pas. Oh, c'est bizarre. Je serais presque tenté de court-circuiter, mais. Ah, re-Edge! Examiner les traces. Carrément au galop. Oh la vache. Ouais, non mais il s'est barré. Il s'est barré. Je suis dispo pour le golf, mais ne te presse pas, j'ai tout mon temps. Ok. Bah, j'essaye d'avoir à vue encore une fois l'animal avec ses bois. Allez, on va dire que je me donne un quart d'heure. Et si d'ici un quart d'heure à 15h15, je l'ai pas vu, on bascule dans le mini-golf parce que... Faudra que je refasse une séance de chasse pour apprendre, en fait. Mais... bluffant de réalisme. Bluffant de réalisme. Attends, mais merde, mais là... Mais non, mais là, je peux marcher normalement, quoi. J'ai mis des traces, il est parti au trot. Là, j'ai un truc, c'est quoi? Parti au trou. Alors, attends, j'ai lui qui a l'air d'être plus gros parce qu'il me dit 4, le machin. Ah, j'ai l'air d'avoir quelque chose de frais. Tac. Ah bon, départ en sens contraire? Non, sérieux? Ouais, dans le bouchonnois, ouais. Si tu veux chasser en groupe. Ah, j'ai pas fait gaffe si on pouvait chasser en multijoueur. Mais, ah, faudra qu'on s'essaye ça, Nash, un jour. Attends. Ah merde, il a traversé la route. Je vois le panneau de circulation. Ah bah attends, je vais marcher sur la route, je vais pas me faire repérer. Et là, il y a une bagnole qui passe. Miaou. D'accord. Ok. Le bestiau a traversé la route. Ah, il a pondu une praline. Comment ça? Attends, je comprends plus là. Bah, c'est quoi toutes ces traces? Il est parti au trot par là-bas. Ah bon? Ah, très ancienne. Non, c'est un autre animal. Non, merde, c'est pas le bon animal, là. Je suis en train de... Quoi? Ah, il est là-bas. Non, c'est pas lui que je vois, quand même. Attends, je me... Ah, si. Non. Je l'avais vu sur la route. C'est lui qui m'a couillonné en fait. Non. Merde. Attends, j'ai trop de sensibilité sur le truc. Ah ouais, il y a des marques sur la route. Je vais repartir par là-bas, j'ai pas rêvé. Ah, je suis mauvais, c'est fou ça. Je sens que c'est le début d'un long apprentissage pour moi. Ah, 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 il y avait quelque chose là. Oui, il est parti par là-bas. Ah non, très ancienne. Bah merde. Ta nouvelle horloge, on se croirait vraiment en cours de musique avec de 6e avec la prod de piano à les enfants tous en chœur. Oui, à rejouer la même mélodie. Oui, je propose du multi, mais pas pour l'émission, c'est dommage. Ah d'accord. Ouais, mais on peut faire du multi en roue libre. Mais... Ouais. Attends, c'est quoi ça?
J'ai pas rêvé, j'ai vu le... l'empreinte. Bah oui, il était par là-bas, lui. Ah, par là-bas. Il s'est barré par là-bas. Il est parti au trou par là-haut. Très ancienne. Ah bon. Et lui, c'est plutôt barré là. Départ. Bah oui, c'est en contradiction avec. Il est parti au trou là-haut. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, l'animal? Putain, je sais même plus ce que je traque là. Donc il est parti au galop. Bon là je suis un boucan d'enfer, je suis en plein dans les sapins. Il est parti là. Ouais, il est parti au tronc. Ouais, il est pas. En sens opposé ? Ah non, mais il est parti au tronc. Ah non, c'est pas non que je vois en bleu, juste c'est bizarre, je vois du bleu. Non, c'est le coup de la route. Ah oui, t'es parti là, là j'ai quoi? Oui, j'ai une éjection, très ancienne. Et là, sur la route, j'avais ça. Ah, comme quoi, il est parti par là-bas. Non, mais je pense que... Non, non, mais... L'animal est en train de me guaquer. Là, c'est parti par là-bas, ouais, très ancienne. Là-bas, j'ai quoi? J'ai ça, j'ai un autre animal. Là-bas, j'ai des pas. Ah, ah, ah. Cri d'accouplement, il est loin là-bas. Attendez, je vais traverser la route et je vais tracer vers lui. Voilà, je vais me calmer à partir de la route. Je pense qu'il s'est barré par là. C'est bizarre. Merde, il m'a déjà repéré. Non mais c'est pas possible. Il se paye de ma tête, il est en train de revenir sur la route là. Putain, mais d'où il me repère? Bah ouais, je vois bien les traces de... Oh la vache! Au niveau du sapin, je vais me faire repérer, moi, en déplaçant les branches. Il est où le bestiau? Oh merde. Où ça? Cri d'accouplement. Il est au-dessus de moi. Cri d'avertissement. Alors il fait avertissement et accouplement simultanément lui. Merde. Ah, il est là-bas. Il est plus en amont. Faut que je remonte. Je pense... Eh, sans déconner, je vais revenir sur la route, hein.
Où est-ce qu'il est? Attends. Je serais tenté de passer en amont là, parce que en plus comme il y a le vent qui porte les odeurs, je serais bien de passer par là. Si je peux surprendre l'animal. Qu'il est. Ne me dis pas qu'il s'est barré. Comme dans la série The Palace. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Moi, je n'en garde pas un beau souvenir, Dinash. Eh, du coup, ah, les cours de musique. Pourquoi? Parce que tu restais sur la touche. Hein, quoi? Bah merde, je vais tourner autour à cet idiot. Au moins j'ai le vent dans le de face et mon odeur qui est portée derrière moi, donc je peux. Lâcher une caisse, il pourra pas me repérer. Incroyable, mais je vais tourner autour. Et je crois qu'on va le voir, là j'ai un flanc intéressant de colline. Attendez. C'est quoi? Quoi? Ah, mais il est là, ce con. Comment ça, vigilant? Ah, mais il est dans l'arbre. Quoi? Il m'a vu? Mais comment ça qu'il m'a vu? Non, mais... Mais d'où qu'il m'a vu? Non! Ouais, ou entendu, mais... Oh merde, il faut vraiment être rapide, hein, qu'on l'a vu. Il faut vite dégainer le fusil et pan, l'aligner. Oh bah merde! Chut! Oui, ça va être les cheveux. Merdoum. Oh, c'est fou. Ouais, c'est ça. La perle blonde derrière les feuilles. Moquez-vous. Ah, mais c'est pas croyable. Ah. Il était là, cet idiot? Ah oui, il était là. Forcément, le cerf se doute de quelque chose. Oui, bah oui. Il s'est barré par là-bas? Oh, merdoum. Attends, c'est bizarre parce que j'ai des traces blanches et des traces bleues. Les bleus, c'est le même animal, non? Ouais, il s'est barré par là-bas. Bon, ok. Ouais, trou, il est parti là-haut. Bon, j'ai compris, il s'est barré par là-bas. Il est reparti sur la route. Non, mais c'est pas possible. Ne me dis pas que c'est les traces de tout à l'heure. Il va me la faire deux fois, vous allez voir. Il va me la faire deux fois. Il est pas sur la route, là. Vous allez voir qui va se payer de ma tête. Ah, c'est quoi que j'ai entendu? Quoi? J'ai entendu un cri.
n'est pas... Merde. Ça y est, ça recommence. Y a pas de cri, y a rien. Attends, je reste sur la route là parce que... Oh là là, il y en a des traces. Mais c'est plus le même animal. Oui, bah oui, là c'est autre chose, c'est un faisan. Oh, tu parles, l'autre il a arrêté de faire... De faire son... Il a arrêté de brailler, quoi, de faire son cri de ralliement, d'accouplement. Oh merde, 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 j'ai perdu cette race. Ça c'est quoi? Il est parti au trot par là-bas. Oh, ce jeu de piste! C'est où le temps a l'air d'être un peu changeant, ça a l'air de se couvrir. Merde, la flotte va arriver. Alors, trace de trop, ouais. De trop, donc il a détalé, il a encore changé de secteur, il se s'est traqué. Ça n'arrange rien à l'affaire. Tac, 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 tac. De toute façon, tant qu'il est au trop, je peux... Trop, il dit quoi? Trop... C'est beau, mais c'est dur, hein. Ah. Cri d'accouplement. Quoi? Un sanglier? Non, sérieux? Quand je vous dis que je vais me faire déboîter par un sanglier. Ouais, non, il a traversé la prairie, il s'est barré. Il s'est barré, en fait, dans une autre vallée. J'essaie de passer là où il n'y a pas trop de manches. Je dis bien j'essaye. Si je contourne... Putain. Oh la vache, il y a une vue dégagée. Oui, je crois que ma cible, elle est en bleu clair. En bleu turquoise. Oui, oui, point d'observation, point d'observation, point d'observation, point d'observation. Il s'est barré par là-bas, l'animal. Je devrais avoir du bleu turquoise quelque part. Oh, 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 c'était quoi? Ah, oh la vache, il est encore loin. Quoi? Qui c'est qui m'a repéré? Qui? Où ça? Comment qu'est-ce? Ah, j'ai un truc de chasse pas loin, de repérage. Avec un peu de chance en allant dessus, je vais peut-être, on peut le dire littéralement, avoir le dessus. Bon, j'essaye ça, puis si ça foire, je passe au mini-golf avec EJ, parce que je referai une autre session de chasse une autre fois. Peut-être demain, je sais pas, on verra. Ah, il y a des marques de... Attendez. L'animal était quelque part par là-bas. On y croit, on y croit, on y croit. On y croit, je veux y croire. Très ancienne. Mais non, mais c'est pas le même animal, là, on se trompe. Mais parle-moi du... Ah, 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 ah. Quoi, 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 quoi? Mais non, mais je m'en fous des trous, moi, c'est le bruit que j'ai entendu. Attendez, que je passe par là. Il va se passer quelque chose en 5 minutes, c'est obligé. Je m'approche de trucs, c'est trop... Trop conséquent. Encore une route ? C'est que ce truc. Oh non, faut que je passe une rambarde, je vais faire du bruit. Ouais, les faisons venir me chercher, oui. Oh, attends, c'est quoi ça?
Non, non, chevreuil. Non, tu m'oublies. Tu m'oublies, le chevreuil. Tu m'oublies, je n'existe plus. Ah si, il a des bois. Oh 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 je peux. Lunettes. Merde, je vois plus ma cible. Chut. Attends. Merde, je vois plus la cible. Évidemment, la cible se dit. Mais tais-toi, toi. Oh merde, ils m'ont repéré. Il faut plus que je bouge. Ah, il fuit. Merde. Je l'ai vu courir par là-bas. Ah, mais c'est trop dur. Ah ouais. Bon, bah tant pis, je vais essayer ça. Bon, tant pis, bien fait pour ma tronche. Je vais monter au sommet, je vais regarder, et puis si je peux rien faire à vue, on arrête pour aujourd'hui, je referai un essai peut-être demain. Allez hop. Mais tais-toi, toi. Oh. Renard de mes deux, là. La 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 la. T'es beau. Alors, si tu veux te netter un truc plus facile, cherche les champs, c'est tout couvert. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Putain, vous allez voir que mon flingue va être tellement peu puissant que même d'en haut, je vais à peine égratigner mes cibles. Mais c'est stylé, franchement. Ah, observez. Quite a view. Ah oui, alors. From here, you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt. But we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Oui, 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 c'est des endroits sympas, mais ouais, tu parles de là, il y a plus rien. Mais comment veux-tu que je vise un animal de putain, même avec la lunette quoi. Mais hey, c'est le genre de simulateur sans déconner. Tu restes sur un point d'observation, tu pars vie réelle, prendre une douche, prendre un café, et pour avoir la chance d'avoir un animal qui se pointe naturellement et pan. Bon, mais il y en a des choses à visiter. Je comprends pourquoi tu disais tu partais simplement en promenade dans le simulateur, Nash. Parce qu'en diagonale, la carte, elle fait 10 km. Quoi, qu'est-ce qui crie? Qu'est-ce qui quoi? Cri d'accouplement à 240 mètres. Oh mon dieu. C'est fou, ça. Mais comment veux-tu que je vise un animal à 240 mètres d'ici? J'ai pas un fusil de snipe, moi. Avec le meilleur fusil du jeu, je dis pas, mais... je débute. Je débute avec une carbine à plomb. C'est l'effet que ça me fait. Ce jeu, tu peux y passer des heures, parfois sans réussir à choper une bête. Ah bah oui, c'est sûr. Et ce n'est que la première réserve. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou, c'est fou. Non mais je comprends pourquoi ils vendent 10 balles chaque réserve modélisée. Parce que c'est un travail d'orfèvre. S'ils numérisent comme ça au détail, modéliser 10 km² à chaque fois, respect. À la fougère près, respect. C'est un boulot de malade. Bon, ben on va faire du mini-golf. Fais l'œuf et la poule. Je regarde autour si je vois pas un animal que j'aurais à vue pour tenter ma chance, mais je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Oh bah merde alors.
J'ai entendu un cri d'oiseau loin. Là-bas, il y a un chalet à visiter. Enfin, un abri de chasse. Mais... Là-bas, on ne sait pas ce que c'est. On dirait des... C'est le début d'un champ. On dirait presque des mottes de foin. Je sais pas. C'est trop bizarre. Ouais, non. C'est de l'agriculture. C'est des bottes de foin. Oh, bah merde alors! Ouais, oh mince, il est déjà 15h30 et on n'a pas démarré le golf. Allez, on va se lancer dans le golf, mais... Ah, dur apprentissage de la chasse. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Mais magnifique. Oh mon dieu. On voit mon bordel du jour. Putain, mais j'ai quasiment rien fait. La zone, elle est monstrueuse. J'ai quasiment rien fait. J'ai traîné autour de là. Voilà. Là, je présume que c'est des saignées. Oh putain, le bordel. Extraordinaire. Bon, allez, système. Quittez le jeu. Ah oui, quittez vers bureau. Moi, je deviens fou. C'est ça. Enfin, si j'arrive à cliquer sur le bon... Ouh ! Eh ben, dis donc. Oh mon dieu, transition.